Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle dictée sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another dictation exercise on Learn to French. If you're new here, my name is Eden and I teach French. Et voici la toute première dictée du programme Dictée Plus. And today's dictation exercise will be titled Un week-end chez ma grand-mère. So since you're probably already familiar with the dictation exercises, then you might want to skip this step, but I'm just going to quickly go through the instructions. There are three steps. Il y a trois étapes. La première, écouter le texte en entier. La deuxième, écouter la dictée et écrivez. La troisième, écouter la dictée une dernière fois. So make sure to stick around until the end. That way we can correct the exercise together and you can also check out the translation in English. Vous pouvez faire pause maintenant si vous voulez lire les instructions. Très bien, est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. Écoutez le texte. So first, listen to the text. Un week-end chez ma grand-mère. Le week-end dernier, j'ai rendu visite à ma grand-mère. Elle habite dans un petit village près de la campagne. Quand je suis arrivée, elle m'a préparé un délicieux repas avec sa spécialité, une tarte aux pommes faite maison. Après le repas, nous sommes allés nous promener dans les champs. Il faisait beau et les fleurs étaient en pleine floraison. J'ai ramassé un bouquet de fleurs sauvages que je lui ai offert. En fin d'après-midi, j'ai repris le chemin du retour en promettant de revenir bientôt. J'ai passé un agréable moment en compagnie de ma grand-mère. Très bien, maintenant vous pouvez prendre votre cahier ou ouvrir un document sur votre ordinateur et vous pouvez écrire. You can now grab a sheet of paper or open a Word document on your computer and start writing what you hear. Remember, I will be reading slowly with punctuation and I will also be repeating words and sentences. Un week-end chez ma grand-mère. Un week-end chez ma grand-mère. Le week-end dernier, virgule, le week-end dernier. Virgule. J'ai rendu visite à ma grand-mère. Point. Le week-end dernier. Le week-end dernier. Virgule. J'ai rendu visite. Le week-end dernier. Virgule. J'ai rendu visite à ma grand-mère. Point. Elle habite dans un petit village. Elle habite dans un petit village près de la campagne. Point. Elle habite dans un petit village près de la campagne. Près de la campagne. Point. Quand je suis arrivée, virgule, quand je suis arrivée, virgule, elle m'a préparé un délicieux repas. Elle m'a préparé un délicieux repas. Elle m'a préparé un délicieux repas avec sa spécialité. Avec sa spécialité. Quand je suis arrivée, virgule, elle m'a préparé un délicieux repas avec sa spécialité. Deux points. Une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes faite maison. Point.
Une tarte aux pommes faite maison. Faite maison. Maison. Point. Je répète la phrase. Quand je suis arrivée, virgule, elle m'a préparé un délicieux repas avec sa spécialité, deux points, une tarte aux pommes faite maison. Point. Après le repas, virgule, après le repas, après le repas, virgule, nous sommes allés nous promener. Nous sommes allés nous promener. Nous sommes allés nous promener. Nous sommes allés nous promener dans les champs. Dans les champs. Point. Nous sommes allés nous promener dans les champs. Point. Il faisait beau. Il faisait beau. Il faisait beau. Et les fleurs étaient en pleine floraison. Point. Et les fleurs étaient en pleine floraison. Point. Et les fleurs étaient en pleine floraison. Point. Je répète la phrase. Il faisait beau et les fleurs étaient en pleine floraison. Point. J'ai ramassé un bouquet de fleurs sauvages. J'ai ramassé un bouquet de fleurs sauvages. J'ai ramassé un bouquet de fleurs sauvages. J'ai ramassé un bouquet de fleurs sauvages que je lui ai offert. Que je lui ai offert. Que je lui ai offert. Point. J'ai ramassé un bouquet de fleurs sauvages que je lui ai offert. Point. En fin d'après-midi, en fin d'après-midi, en fin d'après-midi, en fin d'après-midi, virgule, j'ai repris le chemin du retour. J'ai repris le chemin du retour. J'ai repris le chemin du retour en promettant de revenir bientôt. En promettant de revenir bientôt. En promettant de revenir bientôt. Point. J'ai passé un agréable moment. J'ai passé un agréable moment. J'ai passé un agréable moment en compagnie. J'ai passé un agréable moment en compagnie de ma grand-mère. Point final. J'ai passé un agréable moment en compagnie de ma grand-mère. Point final. Écoutez la dictée une dernière fois. Listen to the dictation exercise one last time. Un week-end chez ma grand-mère. Le week-end dernier, virgule, j'ai rendu visite à ma grand-mère. Point. Elle habite dans un petit village près de la campagne. Point. Quand je suis arrivée, virgule, elle m'a préparé un délicieux repas avec sa spécialité, deux points, une tarte aux pommes faite maison. Point. Après le repas, virgule, nous sommes allés nous promener dans les champs.
Il faisait beau et les fleurs étaient en pleine floraison. Point. J'ai ramassé un bouquet de fleurs sauvages que je lui ai offert. Point. En fin d'après-midi, virgule, j'ai repris le chemin du retour en promettant de revenir bientôt. Point. J'ai passé un agréable moment en compagnie de ma grand-mère. Point final. Très bien, maintenant nous allons corriger la dictée. Un week-end chez ma grand-mère. Ici, c'est très important. Vous pouvez écrire week-end, week-end, donc week-end, ou week-end. Les deux orthographes sont correctes en français. So you can choose to write weekend this way, week-end, or weekend. Mais avec grand-mère, vous devez écrire grand-mère. So to write grand-mère, you have to write grand-mère. Quand je suis arrivée, so since this is the past tense, we are writing in imparfait and passé composé. So if you are a woman, since here we're using the auxiliary verb être, je suis, arrivée, then you can add an extra I. If you're a man, you simply don't do that. Quand je suis arrivée, elle m'a préparé un délicieux repas avec sa spécialité. Une tarte aux pommes faite maison. Après le repas, nous sommes allés nous promener dans les champs. So here you can also add an extra E between the E and the S if both of you are women. Nous sommes allés. Because we have the grandma and then if the narrator is a woman, then you can add an extra E right here between the E and the S. Nous sommes allés. But if you're a man, then masculine always takes over feminine in French. So if there's a man and a woman, then it's going to be masculine. Donc, les champs, fields. Il faisait beau et les fleurs étaient en pleine floraison. J'ai ramassé un bouquet de fleurs sauvages que je lui ai offert. That I gifted to her, basically. Or that I gifted her. But in French, you're going to say I gifted to her. En fin d'après-midi, j'ai repris le chemin du retour en promettant... While promising, en promettant de revenir bientôt. J'ai passé un agréable moment en compagnie de ma grand-mère. Let's now take a look at the English version. Un week-end chez ma grand-mère. A weekend at my grandmother's. Le week-end dernier, j'ai rendu visite à ma grand-mère. Elle habite dans un petit village près de la campagne. Last weekend, I visited my grandmother. She lives in a small village near the countryside. Quand je suis arrivée, elle m'a préparé un délicieux repas avec sa spécialité, une tarte aux pommes faite maison. When I arrived, she prepared a delicious meal with her specialty, homemade apple pie. Après le repas, nous sommes allés nous promener dans les champs. Il faisait beau et les fleurs étaient en pleine floraison. After the meal, we went for a walk in the fields. The weather was fine and the flowers were in full bloom. J'ai ramassé un bouquet de fleurs sauvages que je lui ai offert. I picked up a bouquet of wild flowers and gave it to her. En fin d'après-midi, j'ai repris le chemin du retour en promettant de revenir bientôt. J'ai passé un agréable moment en compagnie de ma grand-mère. At the end of the afternoon, I set off for home, promising to return soon. I had a lovely time with my grandmother. Très bien. I hope you enjoyed today's dictation exercise. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle dictée sur Dictée Plus de Learn to French. Au revoir.